فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim ont dit « Il n'y a pas un ordre qui vient d'Allah ou de son messager, ou une interdiction sans que Shaytan vienne par deux portes pour essayer d'égarer cette personne, ou bien par l'exagération, ou bien par le laxisme. Et il s'importe peu de la manière avec laquelle il va l'égarer. » Donc, les deux chemins sont un égarement et une erreur. Exagérer dans la religion, ou bien être laxiste. Et avoir des manquements dans la religion. Dans l'histoire de cette communauté, nous avons eu ceux qui ont exagéré comme les Khawarij et les Mu'tazilas. Et ils ont laissé après eux des héritiers. D'ailleurs, le messager d'Allah nous a dit qu'à toute époque, ils vont sortir les Khawarij. Et ils ont laissé des héritiers qui sortent dans tous les endroits et qui sont ressortis encore à cette époque. Et qui suivent aussi, eux, des prédécesseurs. Mais nous, on a dit « salafus salih ». Nous nous suivons les pieux prédécesseurs, alors que eux suivent les mauvais prédécesseurs, les têtes de la fitna, dans leur manière de contredire la sunnah et les gens de la sunnah. Ils viennent avec plusieurs visages, avec des paroles choquantes, avec leurs slogans, en apparence des slogans de vérité, mais en réalité, ce sont des paroles de vérité avec lesquelles ils veulent le faux. Comme Ali ibn Abi Talib a dit en parlant des Khawarij, il a dit c'est une parole de vérité avec laquelle ils veulent le faux. Ils te disent nous voulons défendre la aqidah et nous voulons défendre la sunnah, mais en réalité derrière cela ils veulent défendre leur bida'a. Certaines paroles et règles innovées et attacher l'alliance et le désaveu autour de cela. Puis le cheikh a dit, je vous résume, tant que tu n'es pas donc en concordance avec leurs avis et leurs passions, ils commencent d'abord par te taxer d'innovateur, puis ils montent en grade jusqu'à te taxer de mécréant. Et il dit la plupart de ceux-là sont des menteurs et des ignorants et des marginaux qui veulent suivre les avis marginaux.